Voilà. Pour récapituler, nous sommes le vendredi 14 août de l'année 2020. Il est 14h. 14h. Upside down, il est 14h. Ouais. Il est 4h26 du matin. Alors, il faut s'intéresser à Philippe Pascaud, lanceur d'alerte. Fabrice Arfi, premier reporter du pôle enquête Mediapart, avec qui j'ai fait un selfie l'an dernier, en 2019, à la bibliothèque Kléber, la salle blanche de la bibliothèque Kléber à Strasbourg, je crois que ça devait être au mois de novembre. Étienne Chouard, qui propose un système sur https://le-message.org où il faut on élirait au conditionnel ceux qui votent les lois par tirage au sort pour éviter la corruption qui est un fléau dans ce pays. J'invite, puisque ça aussi m'a été absolument impossible de rentrer en contact avec le directeur de la bibliothèque Kléber, je ne sais plus son nom. Je suis tombé sur des gens et quand j'appelle sur sa ligne fixe, tac, ça, chut, impossible de laisser un message. J'invite le psychiatre, le docteur Laurent Carilla, à me contacter. Laurent Carilla, je l'ai vu aussi, j'ai vu sa conférence sur les addictions qui sont au nombre de 5. Le sucre, le tabac, les drogues, dans les drogues il y a l'alcool et toutes les drogues, le jeu, hein, les gratotacs, le tiercé, etc. Et la cinquième, les écrans. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui qui se baladent, les écrans, ou quand vous êtes sur une tablette, un écran tactile, etc. À me contacter, docteur Laurent Carilla, psychiatre, je ne sais pas si vous êtes expert ou pas. Vous ne pouvez pas présenter un livre sur comment vous débarrasser des addictions si à la fin vous proposez la vente de ce livre, puisqu'en vendant vous rendez et vous proposez aux personnes que vous voulez, entre guillemets, soigner, vous leur proposez d'acheter un livre, alors que l'addiction est la consommation. It's consumption, comme dit George Carlin. Le sport national, c'est la consommation. C'est fuck baseball, it's consumption. D'où mon site web http://stopalaconsommation.free.fr où depuis longtemps je mets ces vidéos et que je suis en train de mettre en public en ce moment sur Facebook, étant donné que je suis en situation de surendettement à cause, mais bien entendu on devient paranoïaque quand on dit que c'est à cause de ces experts. J'ai un exemple très simple. Quand j'étais pas plus loin que là derrière, 50 cm derrière, il y avait un divan, un canapé qui m'avait été filé par Danielle Meyer, ma cousine, que je nomme, et à qui je demanderai donc des nouvelles quant aux vidéos, entre guillemets, les vidéos argentiques qu'avait pris ma marraine Marie-Lou. Toujours pas de nouvelles, elles auraient dû être numérisées depuis 2014, c'est 6 années après. Je me souviens de Danielle Meyer quand elle discutait avec l'ancien président du Conseil Général, aujourd'hui décédé, qui était flûte. Bon bref, on ne peut pas se rappeler de tous, actuellement c'est Frédéric Biry. Je viens de lui envoyer un mail. Monsieur Biry, appelez-moi, 06 35 17 65 33. 06 02 34 95 13, si je n'aime pas les recommander avec AR. Bref, l'ancien président du Conseil Général, c'était flûte. Ça va m'en venir. On ne peut pas se rappeler de tout. Ça fait beaucoup de choses à gérer, tout ça. Voilà. Oh, il y a Nagui. Nagui à la télévision. Ouais, c'est trop super. Alors, je suis juste faire une recherche. Président du Conseil Général.
Adrien Zeller, ça me revient, vous voyez que j'ai une excellente mémoire quand même. Adrien Zeller. Voilà. Daniel, quand tu discutais avec Adrien Zeller, tu m'avais dit tu te rendais compte quand les gens, on avait une discussion, t'écoutent ou pas. Et un jour, tu lui aurais dit, Adrien, tu ne m'écoutes pas. Voilà. Alors moi, je vous écoute. Hein. GoogleIsWatchingYou.com, je vous écoute et je vous vois avec mes grandes oreilles. Vous n'avez jamais eu un meilleur ami que Philippe Stockard. Et je vous offre mon adresse mail gratuitement si vous voulez me contacter. Philippe Stocker, tout accroché, sans point, sans accent, sans tout. @ GoogleIsWatchingYou.com. C'est pas une plaisanterie, ça. Je la mettrai en bas de ma page. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite un excellent vendredi. N'oubliez pas que vendredi, c'est la journée des radars. Et que mercredi, c'est la journée du canard, le canard enchaîné. Donc, sans upside down, on est vendredi, donc le 14 août de l'année 2020. Il est donc 4h28 approximativement minutes. Très bonne journée à vous.